Ça, c'était obligé, les gars. J'avais vu un peu cette danse-là. Enfin, un petit trailer. Du coup, bah, vous avez compris, les gars, l'emote est dans l'aboutissement. Ça, vous avez dû comprendre. Du coup, n'oubliez pas le petit peu de vous abonner, le petit pote. On est parti pour... Ah, parce que j'ai l'ISP de créatif. Sur ma map que j'ai dû faire. Tu parles l'ISP que j'ai vu. Oh là là. C'est pas ouf, l'ISP. Hein. Un cadeau? Ah, je viens de me connecter, j'ai déjà un cadeau, les gars. Je viens juste de finir mon live sur Red Dead. Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Ma pote m'envoie un message en me disant « Ouais, tu vas voir quand tu vas te connecter sur Fortnite. Je t'ai enfin eu. » Je dis « Qu'est-ce qu'elle me racontait ?» Parce qu'à chaque fois, mes potes, ils se mettent en tête de m'offrir des trucs. Mais comme ils peuvent pas, parce que soit je les ai déjà en boutique, et moi, j'aime pas qu'on m'offre des trucs. C'est un truc que je peux pas, j'aime pas. Et ils le savent. Mais du coup, il faut exprès, dès que j'ai le moins de trucs que j'ai pas, ils se dépêchent de m'offrir avant que je... Ah, ils sont malins, mes potes. Hein. Je vous dis, ils sont malins. Bref, bah, l'emote, j'ai envisagé de la prendre. En plus, j'hésitais à la prendre. Bah, voilà. Je l'ai même avant même de faire la boutique, les gars. On m'a spoilé la boutique, même si je m'en doutais qu'il allait sortir sûrement ce soir. Bref, bah, merci, du coup, à Fifi, hein, pour le cadeau. Du coup, je vais faire la boutique vite fait, les gars, avant de commencer. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de rejoindre, direct. Je vais d'abord la boutique, les gars, avant de la demander de la rejoindre. Du coup, n'oubliez pas la petite créateur, j'ai la game. Bon, bah, du coup... La danse, vous avez que du comprendre c'est laquelle, les gars. On m'a spoil, hein. Du coup, bah voilà. Merci à Fifi, hein. Du coup, je sais qu'elle regarde la vidéo. Elle va regarder la vidéo, même si elle a vu la boutique. Donc voilà. C'est cool, c'est gentil. En vrai. Mais fallait pas, hein. Pouvez garder ses V-Bucks. Je sais que c'est gentil, mais voilà. Ouais, en vrai, elle est quand même. L'emote, elle est quand même sympa. Du coup, ah, le skin qui est, ouais, est de retour. C'est vrai, c'est un skin qui était gratuit pour les gens PC. Moi, je l'ai eu gratuit. Mais je sais que tous ceux qui l'ont pas eu gratuit, ils ont un peu le seum. Et je peux comprendre pour vous. Mais en vrai, le skin est quand même stylé. Mais ça fait chier pour ceux qui l'ont dû le payer. Alors que tous ceux qui avaient un PC ou la possibilité d'avoir un PC ont eu gratuit. Bref, on a également le retour du skin soigné. On a également sa pioche intégrement avec. On a également le skin Sorina. Attends deux secondes parce que tout le monde m'invite depuis tout à l'heure. J'arrive, les gars. Laissez-moi faire la boutique. Je fais la boutique. Ils savent que je fais la boutique en plus. J'arrive, les gars, j'arrive. Du coup, le retour du skin Pantin à 1200 V-Bucks avec, du coup, sa pioche plus son revêtement à 300. Le retour du skin Mikano, deux skins tryhard dans la boutique, les gars. Également, le skin Pelle-Mêlée, ce skin un peu troll du saison 7. Ça fait toujours rire, ce skin. Également, le skin Jones déchaîné. J'aime beaucoup ce skin. D'ailleurs, c'est un des skins que j'adore vraiment jouer avec. On a également, boutique quotidienne, le retour de Julie, mais version... armure, mode chevaleresse un peu, à 1200 V-Bucks. On a également le skin Patchy à 1200 V-Bucks, avec ses deux customs, la piste musicale de Miaouslé, entraînement des ombres à 200 V-Bucks. Nous avons aussi Zinzin pour 500 V-Bucks. Tout. Vous avez vu, j'ai une tête derrière, les gars. J'ai mis ça pour Halloween. Bon, on n'est pas encore Halloween, mais je suis prêt à l'avance, moi. On a des coups. Tadam ! Surprise ! D'ailleurs, ce soir, je serai en live aussi. Vers les 17h, un petit peu avant 18h, pour faire du coup l'événement du concert de la chanteuse qui a du coup la musique de la boutique. J'arrive même à prononcer son blaze. Bref, vous avez compris, c'est qui chante à mes copines là. Le nouveau skin d'hier qui est toujours disponible. Et normalement, ah, le retour des. Ça, c'est les packs sont du coup. Ça, c'est par rapport à l'événement musical, je pense. C'est par rapport à ça qu'ils reviennent tous en boutique. Vous connaissez bien les packs de. Ça, c'est l'ensemble. Ils sortent toutes les packs, etc. Vous avez également les skins solo, si vous préférez avoir que le skin. Vous avez également la possibilité d'avoir la pioche, qui est trop stylée d'ailleurs. La seconde pioche également. Vous avez également le petit revêtement. Ensuite, toutes les danses. Bon, là, c'est toutes les danses, les gars. On va aller vite. On les connaît bien, les danses icônes. Ça, c'est l'habitude, les gars. Deux secondes, les potes. Ils m'invitent tous, ils me demandent tous de rejoindre. Mais attendez, je fais la boutique, les gars. Attendez, je viens de m'arriver, je viens d'arriver. Ah, j'arrive, les gars. Du coup, toutes les danses icônes, j'avais dit. Normalement, on est bon, on a fait le tour. Ensuite, encore les danses icônes. Bon, là, on pense qu'on fait des danses sans son depuis tout à l'heure. Mais c'est que les danses copyright, donc forcément, il n'y a pas de son. Hein. Là, c'est logique, les gars. Donc, c'est pour ça que je parle en même temps. Mais je montre toutes les danses icônes coûtent entre 500 euros, enfin, entre 300 et 500 V-Bucks. Donc, tu vois, c'est quasiment le prix adéquat des skins à la base. Vous avez l'habitude, hein, toutes les danses icônes, de toute façon, coûtent 500 à part celle-ci, parce qu'il y a deux danses intégrées dedans. Mais voilà, bref, on a également celle-ci, à 200 V-Bucks, petite danse, enfin, petite emote plutôt,
également. Celle-là, gros câlin, pareil, Nimote aussi, que beaucoup de gens appréciaient. Tous les skins, du coup, musical, bon, là, on les connaît aussi bien. Voilà, féminin, après masculin. Moi, j'ai appris que celui-ci à l'époque. Moi, je dis à l'époque, on dirait ça fait 10 ans, alors que ça fait que 1 an que c'est sorti ces skins. Mais ça passe tellement vite, les gars. Bref, vous avez également la possibilité d'avoir en pack, si vous voulez, aussi. Merde, attendez, j'appuie sur Facebook. Là, bon, ceux-là, le pack-là, on connaît bien. On va pas leur montrer tout ensemble. Ces skins-là aussi. Ouais, enfin, c'est les mêmes skins, hein, vraiment. Tous les ensembles ici, vous les connaissez bien. Ils sortent assez souvent en boutique. Là, c'est tous les skins trucs d'Halloween. Ils sont là depuis quelques jours, je pense que on n'a pas besoin de les remontrer encore. Et le club de Fortnite, du coup, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, les petits potes. Je vous rappelle, ceux qui sont abonnés à moi peuvent écrire pendant que je suis en live sur pas mal de jeux. Je vais faire un live aujourd'hui, comme je vous ai dit, un petit peu avant 18h. J'espère vraiment me connecter assez rapidement. Je préparerai là le live 10 minutes avant. On se sera en live avant l'heure. Comme ça, on regardera l'événement en direct, quoi. Littéralement. Si vous ne pouvez pas le voir de votre PC ou de votre console, vous pourrez au moins le voir avec votre téléphone. L'événement, si jamais vous ne pouvez pas le voir. Et si vous aimez, vous intéresse aussi. Bref, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Sur ce, bye bye!